Et toujours à Cannes, donc, cette affaire qui secoue la police municipale en plein festival. Deux agents homosexuels portent plainte pour harcèlement moral. Ils se disent victimes de discrimination de la part de plusieurs collègues. Ils ont été écartés du service de nuit et ils ont tenu une conférence de presse ce matin. Véronique Varin et Éric Jacquet. Un enfer. C'est ce mot qui, pour Alain Marty, décrit le mieux ce qu'il vit tous les jours au commissariat municipal de Cannes depuis 2 ans. D'ailleurs, ce matin, cet homme à bout, atteint aujourd'hui d'un cancer, a préféré laisser parler son collègue. Nicolas Persec, l'autre victime, a expliqué la rumeur par laquelle tout a commencé. Parce qu'il était homosexuel, donc, il était porteur du sida. Étrangement, c'est là que ces mises à l'écart ont commencé pour lui. C'est-à-dire que les agents n'ont plus voulu tourner avec lui, donc on est bien dans cette catégorie-là, où je me suis retrouvé à voir 100% Tarlouze écrit sur mon casier. Et toutes ces brimades mises à l'écart étaient cautionnées par une hiérarchie en place. On a fait remonter l'information à plusieurs reprises dans différents rapports. Jamais on nous a répondu. Meurtri et choqué, ces deux policiers municipaux du service de nuit ont donc aujourd'hui choisi de briser le silence en portant plainte pour harcèlement moral. À leur côté, un syndicat, la CFTC et un avocat. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Certes, ce sont des cons. La connerie, elle n'est pas réprimée par la loi, mais l'homophobie, le harcèlement, c'est réprimé. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est que dans les sphères de l'État, notamment au niveau de l'IGPN, il y a une enquête de déclencher. Du côté de la hiérarchie des plaignants, personne n'était au courant, nous a-t-on dit. Et visiblement, la publicité donnée à l'affaire embarrasse. Aujourd'hui, je ne vais pas réagir à chaud, puisque Monsieur le maire a déjà prévu de recevoir ces deux personnages le 20 mai, là, c'est-à-dire mercredi prochain. Et donc, il s'était ouvert de ces problèmes bien avant. Et malheureusement, ils ont déposé plainte. Donc aujourd'hui, c'est sur la place publique. Hein. C'est le procureur de Grasse qui a été saisi. Les policiers municipaux pourraient se porter partie civile si rien ne se passe dans un délai de 3 mois.